La parole est d'abord à Benjamin sur Lénine et la question syndicale. Chers camarades, je vais revenir sur deux aspects. La conception de Lénine sur la place des syndicats. Et ensuite, je reviendrai sur une discussion spécifique sur la place des syndicats en 1921 en Russie, dans un pays où les travailleurs ont pris le pouvoir. D'abord, sur la place des syndicats en général. En 1906, Lénine écrit que les syndicats larges constituent la forme d'organisation de la classe ouvrière la plus rationnelle pour mener la lutte économique. C'est pourquoi il préconise que toutes les organisations du parti doivent faciliter la formation de syndicats sans parti et encourager à y entrer tous les membres du parti représentant de professions intéressées. Ainsi, la conception de Lénine, ce n'est pas que le syndicat soit courroie de transmission du parti, ni qu'il soit un petit syndicat révolutionnaire, mais que le syndicat soit une organisation large de masse. Les conditions de la répression du régime tsariste ont rarement rendu possible le développement de syndicats larges indépendants. Pour autant, chaque fois qu'ils en ont eu la possibilité, les bolcheviks ont mis en œuvre cette orientation, y compris quand des syndicats ont été mis en place à l'initiative du régime tsariste. Bien sûr, ce travail syndical n'avait pas le même sens où on le conçoit nous, car il n'y avait pas de réelle liberté syndicale. 14 ans plus tard, dans son ouvrage « La maladie infantile du communisme, le gauchisme », c'est encore cette conception que Lénine défend dans sa polémique avec les communistes de gauche allemands qui sont sur une orientation gauchiste. Ces derniers défendent l'idée que comme les dirigeants syndicaux sont réactionnaires, il faut sortir des syndicats. Lénine est en désaccord et insiste pour que les militants communistes travaillent là où est la masse, y compris dans les syndicats réactionnaires. Il précise, je cite, « Toute la tâche des communistes est de savoir convaincre les retardataires, de savoir travailler parmi eux et non de se séparer d'eux en inventant de puérils slogans de gauche, entre guillemets. » Fin de citation. Est-ce que pour autant Lénine méconnaît le caractère contre-révolutionnaire de la politique menée régulièrement par les appareils syndicaux? Bien au contraire, il les nomme les lieutenants ouvriers de la classe capitaliste. Et il explique que la sortie des militants communistes des syndicats saurait rendre un immense service à ces lieutenants ouvriers de la bourgeoisie. En effet, ce serait leur livrer les masses syndiquées. Cette conception est aux antipodes de celle qui a été longtemps imposée par les partis staliniens, et notamment en France, le Parti communiste. En 1921 est fondée l'Internationale syndicale rouge en Russie, sous l'impulsion des bolcheviks. Son objectif est de regrouper à l'échelle internationale des organisations syndicales sous l'égide du communisme, en rupture avec les organisations syndicales existantes. C'est ce qui en France s'exprime par la scission entre la CGT et la CGTU, cette dernière s'affiliant à cette internationale syndicale rouge. En partie, cette décision est motivée par l'idée que la révolution est imminente et que donc l'indépendance des syndicats passe au second plan. Elle est également motivée par le fait que, dans certains cas, des dirigeants syndicalistes ont poussé à la scission des syndicats, conduisant à ce que les militants communistes se retrouvent à diriger des syndicats révolutionnaires sans nécessairement l'avoir choisi. Ce n'est pas le lieu ici de revenir en détail sur les circonstances qui ont conduit à la formation de cette internationale. Mais notons que les principes sur lesquels elle se constitue sont assez éloignés de la résolution du deuxième congrès de l'internationale communiste qui se tient en 1920 et à laquelle Lénine a largement contribué. Voici ce qu'on peut lire notamment. Les communistes attachent plus de prix au but et à la substance des syndicats qu'à leur forme. En conséquence de quoi, les communistes doivent chercher à éviter les scissions au sein du mouvement syndical. D'une certaine manière, Lénine préconise une politique qui est l'inverse de ce qu'il va se passer avec l'Internationale syndicale rouge dans les années qui vont suivre. Internationale qui va provoquer la scission d'organisations syndicales importantes dans de nombreux pays, fragilisant le mouvement ouvrier. Un peu plus loin, la résolution aborde la situation des pays où il y a eu scission entre des syndicats opportunistes et des syndicats révolutionnaires. Déjà, la résolution indique qu'il faut aider les syndicats révolutionnaires à se libérer des préjugés syndicalistes, car ces syndicats n'échappent pas au poids de l'appareil qui se constitue et à ses traits bureaucratiques. Un peu plus loin, la résolution dit ceci, « Mais le concours prêté aux syndicats révolutionnaires ne doit pas signifier la sortie des communistes des syndicats opportunistes.
Donc, Lénine continue de défendre un point de vue où le syndicat n'est pas automatiquement subordonné au parti. Au contraire, les militants communistes ne doivent pas sortir des syndicats opportunistes. Pourtant, ce même congrès de l'Internationale communiste adopte les 21 conditions d'admission des partis dans l'Internationale communiste. Parmi elles, il y a les 9e et 10e conditions. Celles-ci signifient de fait la subordination du syndicat au parti. Ces deux conditions sont liées aux circonstances. Elles sont justifiées pour opérer une délimitation par rapport aux dirigeants du mouvement syndical, ça a été évoqué tout à l'heure, qui avaient plongé dans l'Union sacrée en 1914 en soutenant leur bourgeoisie dans la guerre impérialiste. En effet, la révolution d'octobre a suscité un immense enthousiasme. Les masses font mouvement vers les partis communistes. Certains dirigeants opportunistes, pour ne pas se couper de leur base et en même temps pour faire carrière, accompagnent le mouvement. Il y a une nécessaire clarification à opérer. Plus tard, cette position circonstancielle va devenir un principe avec Staline et aura des conséquences terribles de division des rangs dans le mouvement ouvrier et d'aliénation de l'indépendance des syndicats. En France, cela nourrira la scission de 1947 du mouvement syndical et une conception du syndicat courroie de transmission du Parti communiste, contraire à l'orientation de Lénine. En France, notre courant politique va très vite tirer la conclusion qu'il faut remettre en cause ce principe de la subordination du syndicat au parti. En 1947, sous l'impulsion notamment de notre camarade Pierre Lambert, notre courant remplacera ces deux conditions par la reconnaissance de l'indépendance réciproque des partis et des syndicats. Je voudrais maintenant aborder la deuxième question de mon exposé, consacrée à la conception de Lénine concernant les syndicats dans un État ouvrier. Nous sommes en 1921. Les travailleurs ont pris le pouvoir en Russie avec l'aide du parti bolchevique. Une discussion importante s'engage dans le parti bolchevique. Cette discussion porte notamment sur le rôle des syndicats dans cette situation nouvelle. En effet, les travailleurs ayant pris le pouvoir, ils dirigent l'État, qui est de ce fait un État ouvrier. C'est une discussion importante où d'ailleurs Lénine et Trotsky vont s'opposer. Au cours de celle-ci, Lénine explique que les syndicats représentent la masse des travailleurs et que l'action des syndicats, c'est la défense réelle dans tous les domaines de la masse des ouvriers. Lénine affirme que les syndicats et les ouvriers ont le droit de faire grève. Cela peut paraître paradoxal. Si les travailleurs dirigent l'État, pourquoi feraient-ils grève contre ce même État ? Lénine le justifie par l'apparition d'une bureaucratie au sein de cet État ouvrier. Mais cette nécessité se fait également jour pour lutter contre tout l'héritage du passé capitaliste et de ses institutions. Enfin, l'État est un organe de répartition des produits de la production. Compte tenu du retard de la Révolution mondiale et de l'arriération de l'économie russe, cette répartition est nécessairement inégalitaire. Les syndicats sont d'autant plus importants pour défendre leurs intérêts spécifiques face à une répartition jugée trop inégalitaire à juste titre. Et donc, le rôle des syndicats est bien de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs face aux déformations bureaucratiques de leur État et face aux survivances du passé. Un autre aspect, également présent dans la discussion de 1921, porte sur le rôle des syndicats dans la production. La question posée aux dirigeants bolcheviques est de sortir d'une situation de marasme économique. D'où l'idée que dans cette situation, certains dirigeants préconisent le fait que les syndicats prennent en charge la production. Lénine s'y oppose. Il se prononce contre l'immixtion directe des syndicats dans la gestion des entreprises. Lénine explique « Si le syndicat gère l'entreprise, alors il devient un organe de l'État. Mais cela revient à intégrer le syndicat à un État, qui certes est un État ouvrier, mais déformé bureaucratiquement, du fait de l'isolement de la révolution de 1917 et de l'arriération des masses ouvrières et paysannes russes. Alors, le syndicat ne peut plus défendre la masse des travailleurs, notamment contre les déformations bureaucratiques de l'État ouvrier, puisqu'il s'intègre lui-même à cet État. » Lénine se prononce donc pour l'indépendance du syndicat vis-à-vis de l'État, y compris dans un pays où les travailleurs ont pris le pouvoir. Cette position sur l'indépendance du syndicat a une valeur plus générale, en particulier dans une période transitoire entre capitalisme et communisme. Je terminerai par le fait, mais c'est une évidence, que le syndicat ne peut remplacer le parti et que la tâche centrale est la construction du parti révolutionnaire, seule à même d'aider les travailleurs à prendre le pouvoir.